bonjour à tous les petits farfadets de Limoges, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux et surtout très fier de vous annoncer mon tournoi de fichu numéro 4, un tournoi mondial sur Battlegrounds avec beaucoup de dotation, avec des joueurs de tarés, des joueurs de fous qui ont accepté l'invitation. Ce qu'on va faire, c'est que le tournoi est sponsorisé par HelloFresh, donc cette vidéo, je vais la compartimenter en deux, enfin je vais la scinder en deux. Dans un premier temps, je vais vous parler d'HelloFresh, qui est le partenaire du tournoi. Je vais vous expliquer tout ça. Il y a une offre qui est exceptionnelle et je vous invite vraiment à m'écouter. Et dans la seconde partie de la vidéo, ce ne sera pas une vidéo trop longue, je pense, je présenterai le tournoi, les qualifications, les invitations, les joueurs invités, comment suivre le tournoi, etc., etc. Il y aura évidemment des phases de qualification pour vous qui arrivent bientôt. Donc voilà, comment s'inscrire, tout ça, tout ça. Donc d'abord HelloFresh et ensuite le tournoi. Et finalement, les deux sont liés parce que ce tournoi ne peut pas exister sans HelloFresh. Donc pour HelloFresh, vous avez un petit lien dans les commentaires et descriptions de la vidéo. C'est l'offre du mois de novembre. Quand vous cliquez dessus, ça vous emmène là. Ensuite, vous cliquez sur « J'en profite » et là, vous avez les réductions qui vous sont proposées. Donc, par exemple, je vais prendre cette modalité-là, elle est 5 et 4. Donc, en plus, ça fait 3 euros pile. Vous avez la livraison chez vous d'ingrédients avec une fiche recette, livraison gratuite avec l'offre. Et en plus, grâce à l'offre, vous avez 3 cadeaux offerts. Donc, vous voyez, c'est marqué là, il y a 3 cadeaux. Donc, alors, je ne sais pas ce que c'est les cadeaux, mais peut-être que c'est des desserts, peut-être que c'est des plats supplémentaires, peut-être, voilà. Je pense que ça doit être dans tous les cas... Des choses sexy à manger, je suppose. Et donc, en fait, on va vous livrer des... Bah, en fait, je vous ai prévu le... Parce que moi, je fais HelloFresh, évidemment. Hein, c'est pas juste je présente, c'est je suis fan absolu d'HelloFresh. Ça a totalement changé ma vie et je sais que ça a changé la vie pour beaucoup d'entre vous. Et ça, j'en suis très fier, en tout cas pour ceux qui sont passés par mon lien. Donc, vous avez, comme ça, on vous livre chez vous un petit carton. Vous voyez, un petit carton avec des ingrédients dedans. Donc, c'est toujours minimum 2 personnes. Sachant qu'une portion, c'est vraiment un repas. Moi, je suis plutôt un gros mangeur, je fais quand même pas mal de sport et vraiment, quand je fais une portion, ça me fait un repas. C'est pas, il me faut 2 portions pour un repas. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de ça. Donc, si vous faites 2 personnes, ça fait vraiment 2 personnes. Donc, si vous êtes seul, ça vous fait 2 repas. C'est plutôt intéressant, surtout quand on cuisine, parce qu'on va devoir cuisiner. On n'a pas forcément envie de cuisiner que pour un repas. C'est bien de pouvoir cuisiner pour le soir et pour le lendemain matin, par exemple. Enfin, le lendemain matin, le lendemain midi. Donc, vous avez... Donc ça, c'est 2 portions en gros. On vous livre comme ça un carton. Et vous allez choisir évidemment le nombre de personnes et le nombre de repas par semaine. Et dedans, vous avez donc la fiche recette. Donc là, ce que moi je vais faire ce soir, c'est un curry réunionné de poulet au curcuma. Vous voyez, donc vous avez là, en plus, c'est une bonne petite fiche cartonnée, ce qui fait que vous pouvez les garder. Moi, ce que je fais, c'est je mets des petits cœurs dessus si jamais les recettes vraiment me plaisent et que j'ai envie de les refaire par moi-même derrière. Donc vous avez la recette comme ça, avec les ingrédients qui sont présents dedans. Derrière, vous avez comment la faire, tout simplement. Donc avec plein d'indications ici sur les allergènes, tout ça, les ingrédients, les calories, etc. Et vous avez la fiche recette en général en 4 étapes avec les images. Si vous avez des problèmes à lire, bah pour le coup, vous avez quand même les images. Donc ça, c'est intéressant. Et dedans, il y a quoi? Parce que là, on est en train de parler de 3 euros. 3 euros par portion. Donc on est en train de dire 3 euros, c'est une sardine avec un morceau de pain grillé. C'est tout. 3 euros, c'est une mozzarella pas fraîche avec un mini jambon, un mini morceau de jambon cru. C'est tout. Vous voyez, donc 3 euros pour faire des bons repas, à part des pâtes ou du riz, c'est pas évident, on le sait. Vous avez déjà du bon poulet, j'adore cette phrase, du bon poulet. Là, vous avez 440 grammes de poulet. Déjà, juste ça, ça vaut plus que 3 euros. Enfin, on double parce que c'est 6 euros, il y a 2 portions. Mais voyez, juste ça, déjà, ça vaut une blinde. Il y a 440 grammes de poulet. C'est volaille française. Voyez, donc c'est des produits, pas, ils sont pas tous français, mais ils sont soit français, soit européens. Donc, et de toute façon, il y a la traçabilité sur le site. Donc, du très bon poulet frais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tomates concassées. Ça c'est des beans, donc des haricots blancs, c'est ça? Attendez, ça tombe, hop là. Donc haricots blancs, tomates concassées, du bon poulet, du riz, du persil, c'est du persil ça, persil plat. Et voyez, pareil, ça dans un truc de t'achètes du persil, ça te coûte 2,20€. Persil plat, dans la bonne proportion, donc il n'y a pas de gaspillage, ça c'est très important. Des oignons. Vous avez du thym séché. Vous avez, c'est quoi ça? Ça doit être du gingembre. Purée de gingembre, vous voyez, pareil, le gingembre, on va acheter le gros truc de gingembre. Hop, purée de gingembre. Parfait pour le bon dosage. Une petite gousse d'ail.
Vous voyez, les oignons, ils ne sont pas emballés. Oignons, gousail, bah, c'est mis dans le carton, c'est normal. Et curcuma, voilà, petit truc de curcuma. Donc vous avez tout ça. Vous avez tout ce que je vous ai montré pour 3 euros par personne. Et derrière, vous avez un plat bah, qui est un plat de restaurant. En fait, pour moi, HelloFresh, c'est tu payes 3 euros par portion et tu as un plat que tu vas payer 15-20 euros dans un resto. Hier, je me suis fait, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, je me suis fait un bah, HelloFresh. C'était une blanquette de veau, mais pas avec du veau, avec du saumon. Une blanquette de saumon. J'avais un beau morceau de saumon, une espèce de sauce crémeuse avec des poireaux, des carottes, etc. Bouillon de légumes, tout ça, tout ça. Avec pas mal d'épices. C'était hyper, et du riz aux échalotes. C'était tellement bon. Et ça, je me dis, mais dans un resto, on me dit 25 euros, je le paye. Dans une bonne brasserie, tu payes ce plat 25 euros, tu dis, bon, bah, j'ai bien mangé. Un peu cher, 25 balles, mais j'ai bien mangé. Et ça m'a coûté 3 euros. Bref, c'est une folie. L'offre, elle fonctionne pour les nouveaux clients et pour ceux qui n'ont pas commandé depuis plus d'un an. Voilà, donc si vous êtes dans cette catégorie... Non, c'est pour ceux qui ont arrêté leur compte depuis plus d'un an ou les nouveaux clients. Vous avez 21 nouvelles recettes chaque semaine. Si vous avez des questions sur HelloFresh, n'hésitez pas. Vous voyez, vous avez plein de recettes différentes du monde entier. Voilà, donc à chaque fois, par exemple, on va prendre... je sais pas, moi j'aime bien les recettes asiatiques par exemple. Et là, y en a pas mal. Recettes asiatiques. Bah tiens, ça, j'ai l'impression que je prends toujours cet exemple-là, mais j'adore ça. Wok de nouilles et bœuf pour guerrier dragon avec du pak choy et des cacahuètes. Donc ce plat-là, bah pareil, ça c'est un truc. Est-ce qu'on va faire ce plat-là chez nous? C'est pas évident. Il y a pas mal de d'ingrédients qu'il faut aller chercher dans des commerces spécifiques. Donc on va. En gros, on va pas s'emmerder à aller chercher certains ingrédients. Et là, HelloFresh, hop, il vous les amène, pour 3 euros. Vous avez donc pour 3 euros nouilles de blé, émincées de bœuf, sauce soja, poireaux, curry jaune, pak choy, cacahuètes, sauce asiatique sucrée, gingembre, gousse d'ail. Chez vous, il y a juste à avoir, voyez, huile de tournesol, poivre. Vous avez les calories et vous avez la recette comme ça, hop, compartimentée. C'est très simple et à chaque fois, vous avez comment on l'a fait. Enfin, le temps. Par exemple, là, 25 minutes de temps de préparation, difficulté facile. Donc vraiment, c'est hyper simple. Encore une fois, 21 nouvelles recettes chaque semaine, donc chaque semaine ça change. L'offre, elle marche, si je dis pas de bêtises, pour les 3 ou 4 premières semaines. Donc vous faites 3-4 premières semaines, ça vous fait votre repas à 3 balles. Et après, soit vous continuez, évidemment là vous n'avez plus l'offre, mais de temps en temps ils vous envoient des 20-30% d'offres quand même. Soit vous arrêtez, c'est hyper intuitif. Pour arrêter, vous allez dans votre profil, enfin dans votre profil réglage, hop, et il y a un gros bouton où c'est marqué, vous pouvez mettre en pause ou arrêter votre compte. Donc vraiment, il n'y a pas d'envoyer des courriers recommandés, etc. Donc vraiment, c'est intuitif pour arrêter votre compte. Vous commencez, et en fait, ça vous débite l'argent au moment où on vous envoie les plats, vous voyez, où on vous envoie les ingrédients. Donc vous pouvez choisir, par exemple, je crois que ça bloque le jeudi soir. Faudra vérifier, mais je crois que ça bloque le jeudi soir. C'est-à-dire que vous êtes le mardi, vous choisissez vos 4, 5, 3 recettes pour la semaine d'après en tout cas, quand on va vous livrer, vous choisissez évidemment l'heure, etc., le jour. Et après, vous dites mercredi, ah j'ai envie de changer, de recette. Ça n'a pas encore envoyé vu que ça se bloque à jeudi. Donc vous changez vos recettes et là on vous appelle, on dit « Hey mec, tu pars en vacances avec nous ?» C'est comme ça, un jour avant. Et demain, on part en vacances, tu viens avec nous? Allez, j'ai pas de boulot, je pars avec vous. Tu pars avec tes potes. Et non, t'as ton HelloFresh. Bah, ce que tu peux faire, c'est avant le jeudi, tu bloques. Tu dis, ah non, je mets en pause. Je mets en pause pendant une semaine. C'est pas grave, je mets en pause, mais je continuerai de profiter de l'offre après. Vous voyez, si t'as 4 semaines d'offre, tu peux faire une semaine de pause, 3 semaines. Ça fait 4 semaines en tout, avec une semaine de pause. Bref, donc ça, c'est trop cool. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens d'expliquer, mais en tout cas, c'est un produit d'exception. Et c'est pour ça aussi que j'en parle autant, parce que vraiment, c'est un truc de fou. Et on mange tellement bien pour pas cher. Bref, foncez. Ça me soutient en plus, parce que c'est mon activité. C'est un placement de produit. Et surtout, ça... Et ça, c'est incroyable. HelloFresh permet d'organiser des tournois mondiaux sur Battlegrounds. Et ça, ça fait plaisir. Et là, maintenant, évidemment, on va aller sur du Battlegrounds. Donc, pour s'inscrire, il faut aller sur Bob's League. OK ? Donc, Bob's League, c'est un site. Vous tapez Bob's League sur Google. TDF, c'est ça, les qualifieurs. Le tournoi de Fichou. Tournoi de Fichou, qualifieur 1, qualifieur 2. Qualifieur 1, c'est le 11 novembre, donc c'est un jour férié, c'est lundi prochain. Et c'est à partir de 13h le tournoi, je crois, lundi. Et l'autre qualifieur, c'est le 16-17, donc c'est le week-end. Ce sera à partir de 18h ou 19h. Je vais vérifier information.
19h45, donc 20h, je suppose, je pense, à 20h. Donc, soit ce lundi, à partir de 13h, enfin à 13h, le tournoi commencera à 13h, mais vérifiez. Soit samedi, dimanche, ce sera en deux jours, le week-end, à 20h. Donc, soit en fait, c'est une journée entière le lundi. Vous pouvez faire les deux qualifs, hein, si vous le souhaitez. Soit le soir, samedi soir et dimanche soir, si vous passez les premières étapes, sachant que c'est pas en élimination directe. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup de rondes à jouer. Donc, même si vous êtes très débutant et vous dites ah ouais, mais je vais me faire éclater, c'est pas grave. Franchement, c'est une adrénaline de faire les tournois. C'est vraiment une sensation qui est hyper agréable. Moi, j'adore ça. Et donc, vous pouvez faire les trois matchs. Vous faites vos trois matchs. En fait, il y a 256 joueurs. Il y a d'abord trois matchs à jouer. Si vous n'êtes pas, je crois, dans le bottom 40 ou 50, donc dans les 40 plus mauvais, ensuite vous refaites deux matchs et à chaque fois ça égrène comme ça, vous voyez, ça enlève à chaque fois des joueurs et à la fin il reste que 8 joueurs ou 16 et c'est les 4 premiers qui sont qualifiés. Donc 4 premiers sur la première qualif, 4 premiers sur la deuxième qualif, ça fait 8 joueurs qualifiés plus 8 joueurs invités. Je vous remets la petite image. On a donc 11 et 16, 17 novembre les qualifications. Finale le 22, 23, 24 novembre. Donc samedi, vendredi, samedi, c'est les demi-finales. Dimanche, la finale avec 8 joueurs invités, 8 joueurs qualifiés. Dans chaque demi-finale, je mettrai 4 joueurs invités, 4 joueurs qualifiés. Moi, je ne ferai pas le tournoi. J'ai envie de le commenter parce que c'est un tournoi de fou. Et la dernière fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à le commenter. C'est vrai que je pourrais le faire parce que mon niveau en ce moment, il est stratosphérique. Mais il y a vraiment des joueurs de fou. Et quand je vais vous dire déjà... Donc j'ai 8 invitations, il y en a déjà 6 qui m'ont confirmé. Dans les 6 invitations, il y a RDU, à moins qu'au dernier moment ils peuvent plus, mais normalement. RDU, Toumé, un des meilleurs joueurs au monde. GIF, c'est le meilleur joueur du monde, enfin le co-meilleur joueur du monde avec XQN. Donc il y a GIF, XQN, Toumé, RDU, De Solari, Oliech et Maverick. A priori, Falken n'était pas dispo, mais je lui ai proposé également. Oliech et Maverick, il reste deux places. J'ai envoyé un message à BetterBabbit, comme ça si on a BetterBabbit, GIF, XQN, ce serait n'importe quoi. Ça va être un lobby Legends pour le coup. Le niveau, ça va être n'importe quoi. Donc voilà, BetterBabbit, j'ai pas encore eu de réponse. Je suis passé par GIF pour lui demander s'il pouvait demander à BetterBabbit. Et après, peut-être pour une 8ème place, il pourrait y avoir B-Nice, il pourrait y avoir Babofat. Enfin voilà, plein de gros joueurs. Peut-être Super GG. Enfin voilà, je verrai. Donc inscription sur Bob's League. Moi je streamerai le tournoi donc samedi, dimanche et vendredi, ce sera donc 22, 23, 24 novembre, ce sera le tournoi. Je le streamerai sur ma chaîne Twitch à partir de le tournoi commencera à 20h, donc je pense que je prendrai le live vers 18-19h le vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, soyez là sur mon live. Voilà, si jamais vous avez la possibilité de me suivre moi plutôt qu'une autre chaîne, c'est mieux parce que bah, ça va me permettre aussi, avec des belles audiences, de pouvoir réorganiser ce genre de tournoi. Hein. C'est très compliqué de trouver 1000 euros vraiment, surtout quand on est créateur indépendant. Et en plus pour un jeu comme Battlegrounds, qui n'est pas non plus... c'est un gros jeu en termes de joueurs, mais vous voyez, c'est un jeu qui est intégré dans un autre jeu. Ça reste un truc de niche. Hein. Donc voilà, c'est très difficile. D'ailleurs, c'est pas pour rien que finalement, dans le monde, il y a peut-être que 2 ou 3 entités qui arrivent à organiser des tournois. Il y a Solari, il y a Bob's League de temps en temps, moi, et finalement c'est tout dans le monde entier, hein. Presque personne n'organise des tournois sur Battlegrounds. Donc merci vraiment du fond du cœur à HelloFresh, merci à Bob's League pour leur site qui est vraiment bien fait. Et puis voilà, et à vous, j'espère que vous allez être nombreux à suivre le tournoi, à faire les qualifications. Si vous avez des questions sur HelloFresh, si vous avez des questions sur le tournoi, vous les posez dans les commentaires. Et voilà, je crois que c'est tout. Pour la dotation, ça va être 500, 300 et 200. Et puis voilà, vraiment, j'espère que ça va être top. Et moi, je pense que pendant le tournoi, je me mettrai à suivre un joueur. La dernière fois, j'avais fait ça pour XQN, mais peut-être GIF. Peut-être on suivra toutes les games de GIF et pour l'autre demi-finale XQN et pour la finale un des deux. Et voilà, comme ça, j'expliquerai leur gameplay, etc. Enfin, je pense qu'on va vraiment passer un moment exceptionnel. J'ai vraiment hâte. Merci à tous. Merci de votre compréhension par rapport au placement de produits. C'est vraiment très important. C'est même vital. Hein. Sans ça, je ne peux pas vivre de mon travail. Donc, merci. Et puis voilà, inscrivez-vous en nombre et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.